Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez voir que Jordan va faire un peu le malin sur leur dernier coup qu'ils ont fait contre Monsieur Bikini. Cependant, Jordan va apprendre à ses dépens qu'il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de trop la ramener. Après, lui et son frère vont se mettre dans des problèmes, mais monstrueux, des problèmes qui vont peut-être leur coûter la vie. Ding, 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 ding. ding, ding. Merci, monsieur Bikini. Merci, au plaisir, monsieur Bikini. Ouais, putain, monsieur Ouais, Bikini. ouais, 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 ouais. Salut. Enfin, j'espère qu'ils sentent mauvais vos vélos. Mais ça, c'est de... C'est des super arnaques, des œufs. Viens, on va le dire à tonton Zizi. Aïe! C'est fait, tonton Zizi? Ouais, ça va très bien, qu'est-ce que vous avez fait? Viens, on a fait un super plan qui a marché des tonnerres des œufs. Ouais, du fou, hein. Bah, allez-y, dites-moi. Alors, du coup, on a eu une source anonyme qui nous a informé de quelqu'un qui nous aurait caché nos vélos. D'accord. Et du coup, c'était Monsieur Bikini, une fois de ouais. plus, qui a caché tous nos vélos. C'est Monsieur Bikini qui a caché vos vélos? Du coup, on a eu une photo, on est allé le trouver et on lui a dit que nous, on efface les photos ou alors on le dit à la police. Et il fait des réductions sur les frais scolaires. Donc maintenant, il faut payer que 15 000 au lieu de 20 000. Ouais, on a réussi à faire 5 000 $. Vous avez réussi à faire 5 000 $ sur les... Ah, oh, vous êtes des génies, les petits. Ouais, j'ai toujours 5 000 $. En plus, tu sais quoi? Tu sais ce qui s'est pas en plus? Parce que il nous a demandé de les effacer. Et ce qui s'est pas, c'est que c'est Tonton Kyle qui a la photo. Du coup, nous, on a effacé les messages de Tonton Kyle, mais c'est Tonton Kyle qui a toujours la photo. Ouais, d'ailleurs, je vais lui demander de me le renvoyer. Mais ouais. Mais vous êtes des génies. Il est juste là, je vais le voir. Vous êtes des génies. Ah, bien bossé, les petits, bien bossé. Mais allez, bisous. Des bisous. Tu rigoles, sale bâtard! Et Warren! Le Jordan, tiens là! Ah, merde, il y a deux Warren! Non, il y a ces Jordan et Warren! Et vous faites quoi là, les petits? Non, c'est pas deux Warren, c'est Jordan, c'est mon petit frère! Ah, ok, ok, hey, Jordan! C'est lequel, Jordan? Putain, vous ressemblez! On m'a dit, on parle pas aux inconnus, moi, on m'a dit! Non, non, Jordan, c'est pas déjà connu, c'est mes copains de taille! Jordan, viens, monte dans la voiture, viens, viens, viens faire un tour avec nous. Vas-y, viens, Jordan. Tu veux faire comme ton frère? Tu veux apprendre à tirer à la K47? Non, 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 arrête, on a peur de ça. Ah non, bah oui, si tu veux lui faire faire ça, lui, il va se pisser dessus. Des minutes, des minutes. Putain, merde. Voilà, il fait le pipi. Regarde, il est en train de pisser partout. D'accord, ah, ok, d'accord. Ah, il a beaucoup la pression. Tu l'as en train de couler une de ses pistes. Eh, t'as vu si là, il a moi, la deuxième fois, c'est Charaza là, juste à droite. Ah, oui, salut. Non, pas lui là, de l'autre côté. C'est lui avec la dent en moins. Ouais, ouais, il s'est fait péter une dent. Que vous faire une chante pour moi. Et du coup, Jordan là, c'est ton frère jumeau, Warren, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est mon petit frère. Ah, l'autre jour, on l'a fait visiter Caio avec nous. Il s'est amusé avec les gars d'en face, là, qui étaient dans la cage. Ah, t'es vrai, t'es bien. Mais fais gaffe à vous. Fais gaffe à toi, Jordan. Attends, vas-y, mets-toi sur le côté qui passe sur le cul, parce que je sens que... Mais c'est bien, tonton Kay, il veut bien s'occuper de lui. C'est quoi ton prénom, tu vois? Ouais. Comment? Ouais, Javier, en train de te bacater la gueule. Attends, ah, t'es prêt, tu notes? Ouais. Putain, y'a une bagarre! Ah, dégagez un vélo! Vas-y, salé, pète-leur la gueule là! 3-7-3-5-7, 3-6. Oh non, tu vas dis, c'est le vélo à mon frère, tu peux pas le voler! Il va pas lui voler! Tu vois? Eh, t'as vu, il a l'air énervé lui aussi, c'est pour ça que j'aime bien! Parce qu'il te faut, ouais! Tu vois, c'est des choses que j'aime bien! J'ai pas le vélo de mon frère, sinon j'appelle mon tonton! Et il vous pète la gueule, mon tonton! Ton frère, t'as dit qu'on allait faire un shooter? Comment t'as, on lui a offert un scooter? Non, on va voir ça. Tu l'as pas offert encore? Vous avez pas offert? Il a pas voulu venir avec moi. Mais on a déjà, on a déjà. Il y a déjà quelqu'un qui en a offert. Mais sauf qu'on l'a déjà volé. Par contre, si vous voulez, vous pouvez filer de l'argent pour qu'on puisse payer leur école. C'est combien leur école? C'est beaucoup cher. Ah oui, bah 15 000. Il nous manque 15 000. Bah tu sais quoi? Tu dois payer pour quoi? Il y a des là. J'ai le temps. Je t'explique, le mec j'ai encore 20 semaines ou
la semaine prochaine. Hey Jordan, t'aimes bien te battre? Quand on en reparlera deux semaines, je vais voir ce que je peux faire pour toi, ok? Vas-y, ça marche, merci beaucoup, messieurs. Parce que j'aime bien le petit Warren, là, du coup, mais je vais pas payer que l'école pour Warren, on va payer pour les deux, hein. Bon, et en fait, il y en a déjà qui peut être inscrit, mais il nous manque encore 15 000. Après, ce que tu pourras faire, c'est passer des pochons pour qu'ils vont dans l'école, comme ça tu vas encore plus. Ouais, mais c'est pas le but si on les emmène à l'école, c'est le but qu'ils sortent de la merde de la rue. Ouais, mais le problème, c'est le mec qui fait l'école. Entraînant avec des gars comme toi, ça va être compliqué, ça, non? Ouais, tranquille. Jordan? Oui? On va voler des chaussures? Non. Bon. Ah, ok. Il est sage. Bah non, j'ai demandé à Warren. Ah ouais, il est sage, il est sage. Warren, lui, au moins, il va faire. Non, parce que sinon tu demandes pas à Warren. Pourquoi? Parce que si tu demandes à Warren, eh ben devine ce qui va se passer. Il a l'air énervé. C'est moi aussi, je vais devoir y aller aussi si tu demandes à Warren. Donc du coup, t'as pas qu'à demander à Warren, t'as qu'à demander à lui. Tu sais ce qu'il a fait, ce petit con, hier? On a dû aller le rechercher en cellule parce qu'il avait taqué le mur des flics. Non, c'est pas vrai. C'est incroyable. Et ils ont quel âge encore? Ce qu'il a fait tout à l'heure, Warren, il a tagué une voiture de flic, il est parti avec... Ah, t'aimes bien tagué, Jordan? Non. Si, j'aime bien taguer. T'aimes bien dans la vie, Jordan? Eh bah, tu sais quoi, si tu m'envoies... T'aimes bien l'école? Si tu m'envoies deux photos de tag que t'as mis sur les... Non, mais attends, j'aime bien l'école, on va pas le pousser à faire des conneries non plus. Et écoute, si on arrive à... Moi, il a des bonnes notes, par contre, l'intelligence, par contre, il est tellement con. Si on arrive à les aider pour qu'ils soient dans le petit quartier, qu'ils aient une vie normale. On va les aider, écoute, on en reparle fait le semaine pour son école, ok? Vas-y, ça marche, merci les bugs. Mais par contre, Jordan, si je paye ton école... Et ah bah t'as intérêt de ramener des bonnes notes, hein. Mais con, je te fous. Et t'as pas des bonnes notes? Moi j'ai des bonnes notes. Hé, Jordan, on fait un truc. Voilà. J'ai une idée générale. Ouais, dis-moi. Si t'as pas des bonnes notes, tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu vois Warren ce qu'il a fait à Caillou? Non. Tu vas faire la même chose? Non. Si? Non. Si? C'est. En plus, c'était bien. Et vous, de toute façon, vous avez rien du tout à me dire. Voilà. Quoi? Ah, comment ça? Comment ça, moi? Et si vous continuez à m'embêter, j'appelle mon tonton. Lequel tonton? Lamar? Oui, j'appelle tonton Lamar. Bon, t'inquiète, on va venir. Appelle-le et dis-lui que c'est Arturo, le général de Jordan. Jordan, tais-toi, sinon c'est à cause de toi que tonton Lamar il va finir dans la cage. Quelle cage? Bah la cage de Kayo, la cage dans laquelle Kagaku il va arracher toutes ses dents, une par une, et les vendre. Téléphone à tonton Zizi d'abord. Rafir, tonton Zizi il dort. Tonton Zizi, Rafir, tonton Zizi, c'est tonton Zizi. Moi je l'appelle. Mais il y a des messieurs ici au coin de la rue, ils m'embêtent, il faudrait que tu viennes les frapper. Précise que c'est le mec de Kayo. Précise que c'est le mec de Kayo Perico. T'es Chamberlain? Non, lui dit c'est pas. Des mecs non, qui habitent avec Kayo Perico apparemment. Ils sont en train de m'embêter, alors je leur ai dit que c'est continue, j'appelle mon tonton, il faut que tu viennes. Eh ouais, mais je te cherche, t'es où? Je suis au coin de la rue avec tonton Kay, il a peur. Kay, désolé pour toi. J'ai peur moi. Aïe, mais tonton il a pas vraiment peur, mais il t'entend aussi. Ah, bah le croix de Vla. Hé hey, tonton Zel. Hé hey, comment t'as va tonton Didi? Bon bah apparemment t'as appelé pour me casser la gueule. Ça va? Oh bah écoute, c'est bon là j'ai... C'est pas toi, mais c'est bon. Au revoir monsieur. Bah tonton Didi. Ah plus en plus je peux pas, il y a monsieur Arturo, du coup je peux pas partir. Ce sera un manque de respect. Je suis dans la merde, je suis dégoûté. Ah oui. En tout cas mon petit là il faudra que je te rende des nerfs. Ouais bah ça va beaucoup moins bien là tout de suite là. Vas-y, on a pris un sacré coup. Vas-y, dis-leur, tonton, vas-y. Hey, Charlie. Si. Charlie, tu peux me donner. Viens. Oh, purée, que puis-je pour vous, messieurs, dames? Rien n'est passé un petit peu vite fait voir parce que j'expliquais à. Putain, j'ai oublié ton nom, toi, sur le côté Zayt. Kay. Kay, voilà, putain, non, Zayt, c'est un autre. Apparemment, il y a votre ami. Il y a votre ami Bobo, là, il connaît quelqu'un qui m'intéresse, qui rachète les diamants 4 000 $, tu vois. Ah, ouais, salut, cool. Charlie, voilà, ça tu va, vois, je suis venu voir pour vous essayer de m'avoir l'info. Ouais, ça va. Vous voyez ça avec la marque de là pour avoir l'info parce que. Allez, d'accord. Tu vois ce qu'on vous a envoyé faire. Ouais, il arrive, il est parti chercher le truc. Ok, je t'envoie un petit tour. Attends, je reviens, je parle avec Charlie 2 minutes. C'est super secret. On a besoin de toi, important. Si, je crois que Jordan il m'avait déjà briefé. Non, c'est Warren. Alors, déjà, je te présente mon petit frère Jordan. Jordan, je te présente Charlie. C'est elle qui m'a invité sur Caillou, elle est trop gentille, ouais. Elle connaît la madame de l'autre jour? Non, je crois pas. Tu connais la madame qui fait peur?
La madame qui fait peur, tu parles ouais. d'Erwin, l'OMS? Non, la madame qui fait peur, je suis pas son prénom. Ça me dit rien du tout, je suis désolé. Elle a pas de chaussures. Elle habite dans un train fantôme? Ouais. Oh là, non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Tu peux pas je connais une seule personne qui a pas de chaussures, elle a les cheveux rasés sur le côté. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça? Ah non, elle est gentille, moi je discute avec elle, j'ai pas moi, de problème. Moi je suis la madame qui fait peur. Hein. Elle fait peur. Ah, d'accord, ok. Il y a sa copine aussi, elle fait peur, mais elle fait moins peur. C'est qui sa copine? Une grande. Une ouais, grande. Elle est pieds nous aussi? Non. Elle est des chaussures, elle. Tu connais pas son prénom? Non. On l'a appelé la madame qui fait moins peur. Ouais, je ah, Valet, bah, t'as raison, comme ça tout ça le reconnecte, hein, entre la madame qui fait peur et celle qui fait moins peur. Du coup, est-ce que tu serais alors disponible pour aller, comme je t'ai parlé avec Monsieur Piquinier? C'est bien sûr. Tu serais disponible quand tu crois qu'on prend rendez-vous avec lui? Moi je suis disponible. Quand vous, vous êtes disponible, vous prévenez un petit peu avant, quoi, un jour avant ou deux. Oui, oui. Ce sera la soirée ou dans l'après-midi? Je pense que ça sera dans les soirées, je pense. Si, Valet, bah, moi je suis dispo, y'a pas de soucis. Mais ça marche. Mais écoute, je prends rendez-vous avec lui, puis ben, je te donne le rendez-vous. Comme ça, voir si t'es disponible. Ok, et moi, tu sais ce que je veux en échange? Tu veux quoi? Je veux que tu me trouves le prénom de la dame qui est pieds nus, qui fait peur, et celle qui fait moins peur. Ok, ça marche. Voilà. Je leur ai pas donné mon numéro et doivent me contacter. Est-ce que tu le veux tout de suite le numéro? Oh, c'est clair, toi, un peu tes numéros. Il est déjà, il est trop fort, mon frère. Bah, c'est attends, 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 okay, écoute. Ouais, salut la madame qui fait peur, ça va? Ouais, ça va et toi? Dis-moi, j'ai ton prénom, j'en ai marre de t'appeler la madame qui fait peur. Alba, ça marche. Et ta copine d'ailleurs, elle s'appelle comment déjà? Est-ce que je n'ai marre de l'appeler aussi la madame qui fait moins peur? Soledad, ça marche. Tu fais quoi? Tu m'as appelé tout à l'heure. Vas-y, bien vu, Warren. Ça va, toi? Ouais, bah ouais, j'étais occupé, je pouvais pas répondre. Il y a la police qui me suit. Je suis pas vu aujourd'hui. Non, j'avais pas envie de te voir. Ah bon, ouais, d'accord, bon, bah, je te laisse attends, tranquille. Attends, Ravial, il est au téléphone. Ah, bon. Eh bah, ben, ça, c'est très smart, les loulous. Je suis déjà très fier de vous. Ah bon? Ah bah si. Mais c'est smart. Je t'expliquerai. Pourquoi? T'inquiète pas. Je trafique avec les petits loulous, moi. Je les aime bien. Moi aussi, je lui ai donné $50 à Juan. Attends, du coup, t'as son nom et son prénom de sa copine? Si, Alba. Et... Soledad? Si ouais, Soledad. Oui. Pour le service. Et le numéro? Je rien, pose. Faut que tu donnes les numéros, Warren. Attends. S'il te plaît, Warren, ce serait gentil. Attends. Dès que vous avez une date pour votre rendez-vous et tout, vous m'appelez, vous me briefez et moi j'arrive, d'accord? Oui, c'est nickel, c'est surtout pour Warren, c'est gentil pour lui. Si, pas de soucis, pas de soucis. Allez, bisous, mon grand. Oui, bisous, bisous. Allez. Allô? Oui, t'es où? Mais je suis au magasin de vêtements, Jordan. Si tu veux, tu peux venir. Je suis avec Alba, la madame qui fait peur. Oui, ça va, j'arrive. T'es vas-y, ça marche. T'es celui près des hauts, près de la boîte de nuit? Ouais, près de la boîte de nuit, ouais, le magasin de vêtements. Je suis là. J'arrive. Fais ça tout de suite. Je suis pas un voleur. Requin, je te montre. C'est moins drôle, seulement alors. Une seule paire que j'ai trouvée. Ah, si, y'a voix. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Oui, je les récupère. Je te donnerai les 5 paires dans 24 heures, t'as dit. Si, si. Mais on les aura. Il aurait peut-être dû voler ces 5 jours. Non. Pourquoi? C'est trop rapide pour toi? Hein? Non, parce que c'est peut-être pas assez rapide pour vous. Non, nous. T'en fais pas pour nous, hein. Mais... Ma bonne. Ouais. Ouais, salut les mecs. Salut, salut, ça va les gars? Ouais, ça va les mecs. Je vous en rends les gars. Tata Ouais, c'est qui les mecs? D'ailleurs qu'il y avait torturé. J'ai des cognards, oui.
C'était qui ton copain? Il a fait quoi? Il doit avoir sûrement fait des bêtises pour qu'il vienne le chercher comme ça. Absolument rien, il vient d'arriver en ville. Le pauvre. Si, le pauvre. Tu es capable de me dire qui c'est? Non, je n'ai pas reconnu, je ne connais pas les mecs. Tu les connais pas d'auto? Non, pas du tout, jamais vu ces mecs. C'est vite, j'ai pas fait attention, vraiment, vraiment. Je comprends. Tu crois que c'est des connards? À peine qu'ils sont passés, je suis arrêté, je crois que tout le monde est connard. Si, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut faire? Les seules personnes qui étaient au courant qu'il venait ici, c'est vous. Mais il n'y a rien fait, Attends, tiens, moi j'ai mais non, on n'a vraiment rien à voir dans l'histoire. Tiens, je te donne mon téléphone si tu veux. Comment vous allez faire dans ce cas-là? On va faire comment de quoi? Pour m'assurer que c'est pas vous qui êtes responsable. Bon, il n'y a rien fait, nous. Tout revient de se faire enlever. Deux voitures noires. Aucune idée, deux voitures noires. Moi, j'ai dit les soupirettes à côté de Forum Drive. Il est en train de discuter avec deux petits chicos. Ils viennent dans le vétour. Jordan, t'as fait quelque chose, enfoiré? Si. Non, j'ai rien fait. Moi non plus. Si, si. Il veut embarquer un des petits avec moi. Non, on n'a rien fait, nous. Ou sinon, il prend les deux venins. Jordan, cours. Jordan, cours. Tata, vous bougez, vous êtes mort. Jordan, cours, pélican. Pélican. Écoutez, non, on va faire quelque chose de très simple. Vous venez avec moi. Si vous voulez, une de vos hermanos va venir avec nous aussi. Non, mais je laisse pas mon frère toute cette vie. Non, mon frère. Vous venez tous les deux avec moi. Non. Et vous demandez un hermano à vous de venir, si vous voulez, si vous avez peur. Non. Mais non, on a vraiment rien fait. Hein. On n'a vraiment rien fait du tout, promis. Parce que... Déjà, si on ramène pas... les chaussures, on sait pas trop ce qui va m'arriver et du coup pourquoi on aurait fait ça du coup? Il a pas dit qu'il voulait vous enlever, il veut vous ramener chez vous. Venez, non, je vous ramène chez vous. Allez, venez. Jirel, on est vraiment dans une merde, il s'est passé quelque chose, il faut que tu viennes. Viens vite au bout. Ah si, demande à ton tonton de venir. À la boutique de vêtements, viens vite. Attends, je monte le petit cousin, bougez pas. Ouais, bouge pas. On est que c'est ta cousine? Ouais, elle est petit cousin. Attends, je crois qu'on est dans la merde, qu'on a rien fait. Écoute-moi, Onyx. On est dans la merde. Si c'est tes cousins. Ben rien du tout. Il se trouve que c'était la seule personne qui savait qu'il venait ici. On vient d'enlever un de mes hermanos. Non, mais je te jure qu'on était pas con. Ah. Ah, Jordan, qu'est-ce que tu fous, Jordan? J'ai énervé trop de pression. Allez, montez dans le camion, venez dans le camion. Attends, je crois qu'on a fait un problème, mais on n'a rien à voir. Montez dans le camion, il y a des bonbons. Allez, venez dans le camion, venez. Vas-y, viens, il y a des bonbons. Il y a des Frébex. Non, mais là, je suis pas vraiment. Il va attendre que votre oncle Zairel, c'est ça, arrive. Toto Zairel, c'est par ici, Toto Zairel. Je crois que les petits sont dans la merde. Ah, je sais pas, mais c'est une bonne merde là. Vas-y, montez, on a des bonbons. Non, on aimerait bien monter les mecs. Vas-y, ouvre les portes comme ça. Bon, on aimerait vraiment manger venir les bonbons avec vous, mais ça va être compliqué. Seigneur Zairel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer. Non, arrête de parler, jeune homme. C'est parce qu'on a rien fait. Attends, laisse la dame parler, je t'écoute juste après. Il se trouve qu'il y avait un petit rendez-vous avec tes petits cousins, si j'ai bien compris. Attendez, j'ai pas... excusez-moi, avec les bruits des véhicules, tout ça, j'appelle mal. Attends, je peux t'expliquer. Alors j'ai appelé la madame qui fait peur à Alba. Je lui ai dit... Elle fait pas peur, la dame? Non, mais moi, elle fait peur. Je dis toujours bonjour, et elle est venue nous voir. Alors, et quand elle est venue nous voir, il y a des mecs qui sont débarqués, qui l'ont braqué, et avec moi qui étais au courant qu'elle venait, mais je te jure, j'ai rien à voir avec tout ça, je te jure. Tu sais, je te jure la vérité à toi. Et toi, vous, un peu leur coacher, à quoi c'est ressemblé, etc. ou pas? Deux voitures noires, hermanos. Donc, attends, deux secondes. Je cache. Parce que là, j'ai pas tout compris, mais c'est compliqué. En gros, si, là, vous faire braquer. Si, mais dites-moi, vous voulez pas. On vient d'embarquer. Il y a trop de personnes là. Attends, il est fini de discuter. Ne t'inquiète pas. Mais tu discutes en public là. Non, mais c'est. Vous inquiétez pas, ceux qui sont entre nous, c'est bon. Allez-y, j'y viens avec vous. Tous les trois dans ma voiture.
Jordan, je peux rien faire. Je te promets, j'ai rien fait du tout. J'espère que les petits, vous avez pas fait de conneries. Non, je te promets, je te jure, ce coup-ci, on a rien fait. On a rien fait. J'ai rien sur la tête de tonton Lamar. Ouais, sur ta tonton Lamar, on a vraiment rien fait. Ce coup-ci, sur tonton Lamar. Mais sur la tête de Moussa, il vous envoie une position. Ouais, sur la tête de Moussa, on a vraiment rien fait. D'accord. Je vous explique le problème. Il y a besoin de clarifier, d'être sûr et certain qu'ils ont rien fait. D'accord, dites-moi. Il y a un petit rendez-vous avec les hermano là juste à côté. Je voulais lui demander un service qui allait pas les mettre en danger. Le problème, c'est que la seule personne qui est au courant, c'est lui. Et il me fait braquer un homme marque mon hermano. C'est lui. Je suis sûr que sur Moucha, tonton Chirel, j'ai dit rien à personne. Zagrel ? Oui, tonton Chirel. Oui, alors excusez-moi. Je disais donc là, le petit qui est là, vous vouliez lui demander un service ? Si. Voilà. Donc sauf vous voyez sur le parking ? Sauf que c'est passé, c'est ça. On avait rendez-vous tous les deux. D'accord. Et c'est parce qu'il y a deux voitures qui arrivent et qui embarquent mes hermanos. D'accord. Bien. Ok. Chambre. Ok, d'accord. Sur Moucha, j'ai rien à voir avec tout ça. Au niveau contact qui pourrait enlever des gars de chez vous, je vois pas qui pourrait le faire et qui pourrait être abruti pour faire ce genre de conneries. Surtout surtout à côté de notre quartier, quoi. Lever des gens dans notre quartier, c'est pas forcément le meilleur des plans. Si, devant des gens de votre quartier, si je comprends bien. Bah, c'est surtout que c'est dans notre quartier, donc si vous commencez à péter des gens dans notre quartier, forcément on va être la cible, et si je retrouve les gens qui lèvent des gens dans mon quartier. Partons. T'as le droit de leur mettre une derrière les oreilles s'il faut. Dis-moi que c'est ombré. Pardon. Ces ombrés, ce sont les hermanos. Si je me trompe pas de mes informations, ce sont les Wu. Ah non, les Wu, c'est nous. C'est vous. Vous êtes les Wu. Ouais, nous on est les Wu, ouais. Ce sont les Yang qui étaient au niveau du quartier là où ils étaient. Arturo vient de m'envoyer une message. Moi non. Ok. Bien, je vais aller clarifier ça. Honnêtement, honnêtement, là, je suis perplexe sur le fait que les deux petits derrière vous aient apporté des problèmes. Vraiment. Non, ils pensent pas, de toute façon. Non, je pense pas. Ils ont l'air d'être gentils, alors. Alors, ne leur donnez pas non plus le bon Dieu sans confession, clairement. Ah merde. Bah, si. Voilà, ils ont l'air, mais ils ont pas la musique. Mais sur le fait de prévoir un guet-apens sur vous comme ça, je pense pas vraiment. Mais bon, je peux me tromper, hein. Mais à première vue, ça se fait du cul. Sur notre grand frère Moucha, on n'a rien à voir avec tout ça. Ok, d'accord. Tu travailles bien à l'école, toi ? C'est très simple. C'est très simple. Ouais. Dis-moi la vérité. Si je la sais plus tard, la vérité, gare à ton cul. Bien. Torero, il m'a envoyé une position et tombé sur la voiture. La vérité, on n'a rien à voir là-dedans. Non. Tu es sûr, on n'a vraiment rien à voir. Mais certain. Sinon, j'aurais... Sur la tête de ton frère. Mais j'aurais pas fait une... Sur la tête de Moussa. Mais ouais, sur la tête de Moussa, ouais. Sur la tête de Moussa et la tête de tonton Lamar aussi. Comme ça, vous lui demandez tout. Ok. Vraiment, je te le promets. Vous le promettez sur la tête de Moussa, tous les deux. Ouais, tous les deux. Promets. Je vais reprendre ton numéro. S'il s'avère qu'on a le moindre doute, je verrai directement avec ton quartier, je suppose. Tu pourras toujours voir avec mon quartier, et, vu que c'est moi qui suis actuellement le représentant légal des petits, vu que le vrai n'est pas là et qu'il est absent, je t'en assumerai les conséquences s'il a assumé quoi que ce soit. Donc 56, 64. 852. Moi bien. Écoutez, honnêtement. Vous avez vu qui c'est qui vous a levé ? Vous savez qui c'est qui a tenté de vous lever ? Et qui vous avez reconnu ? Non, pas du tout. Surtout que je voulais leur donner un petit travail en plus. Bah oui, mais oui. Je suis des connards, les mecs. D'accord. Vous n'avez pas du tout un véhicule ou quoi que ce soit qui me permettrait de savoir qui c'est qui a fait ça. Deux voitures noires. Ah mais ça, des voitures noires dans cette ville, madame. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quoi. J'ai pas un minimum de descriptif, type le modèle et les individus. C'est compliqué. Si, c'est bon, mais nous a tous... ils nous ont... C'est bon, en fait, ils comprennent.
Bah, la preuve qu'on n'a rien à voir, petite merde. Et bizarrement, on vient de poursuivre une coachée noire avec quelqu'un qui a coulé dedans. Alors, il va vous donner une mission dans ce cas-là. Puisque nous, on vient de se faire prendre un hermano pour un braquage de banque dans votre hood. Ou juste à côté, en tout cas. Je suppose que ça vous intéresse de savoir qui fait ça. Alors, parce que si c'était pas mi hermano, ça aurait été un de tes petits. Ouais, ouais, clairement, ça m'intéresse, ouais. Très bien, et bah vous allez les chercher pour nous. Ah, toi, okay. Mon numéro. Moi, j'ai ton numéro. Je vous laisse 24 heures. Okay. Je suppose que c'est suffisant. 24 heures pour savoir qui c'est qui vous a braqué. Là, ils sont pas. Il vous manque quelqu'un alors, du coup. Non, on vient de le récupérer. C'est le mec, d'accord. Et il l'a même pas vu. Même et si c'était pour une banque, ils nous donneront la moitié de la banque, vous aurez l'autre moitié. Ok. Je vais essayer de faire le nécessaire pour trouver la personne qui a fait ça. Muy bien. Très bien. 24 heures, ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce que tu en penses, Torero? Ah, si c'est 24 heures comme on a eu aujourd'hui, ça risque d'être un poil peut-être juste, mais si c'est 24 heures de temps normal, ouais, ça devrait le faire. Et 24 heures de temps normal, ça nous va commencer 24 à heures, bien. Ça donne 24 heures jusqu'à 23 heures demain. Pas de problème. Jusqu'à 23 Perfecto. Heures demain. Si. Du coup, les garçons, je vous recontacterai pour les petits trucs que je voulais vous donner. Ça marche. Et n'oubliez pas mes chaussures. Peut me permettre, vous êtes quand même vachement nombreux, tout ça, tout ça. Un peu de la rue, mais... Tout nous a jamais croisé. On est d'accord. Voilà, on s'est jamais vu. Nulle part. Non. D'accord, bien sûr que non. Ok, pas de soucis. Et te présente Torero, c'est notre Brazzo. D'accord, juste très bien. Juste à côté, et c'est mi hermano. Santé les hombres. Pareillement, Zirel. Mais salut, moi c'est Warren. Tout le monde m'appelle Zal. Santé Warren. Warren. À droite, le pequeño. Warren, excuse-moi. Et moi c'est Jordan. Ça c'est nos deux petits du quartier. Jordan à ma droite, voilà, tout à fait, Warren à ma gauche. Allez, bueno. Les hermanos. Vous savez, c'est ce... pas ça les yumos avec lesquels il fait les paris. Ah, c'est des humours, c'est ça? Ouais. Il y en a, il fait le pari. De... Tout ça, celui de 1000 dollars. Ouais. S'il est bon à l'école, à chaque fois, il a 1000 dollars. S'il est pas bon, il me doit un service. Vite, c'est chez Warren. Si. Et l'autre, il me doit juste 5 chaussures. Vite, c'est moi. Mais il ne porte jamais de chaussures. T'as intérêt à bien travailler, c'est Warren. C'est ça, c'est les collections. Ouais, j'ai bien travaillé, ouais, ça marche, t'en fais pas. Ouais. Déjà, tu peux me bien donner 1000 dollars si tu veux bientôt avoir un 10. Il attend le 10. C'est quoi ta matière? Tu vises le 10 là? Je sais pas, c'est monsieur Bikini qui met les notes. Ouais. Ah, c'est une note générale, c'est ça? C'est toutes les non, matières. C'est monsieur Bikini, le seul problème c'est qu'il l'a un peu. Comment ça s'appelle? Il l'a un peu dans le pif donc il l'aide pas trop. Ouais, ah, okay. C'est pas très bien. T'es au fond de la classe, tu jettes des chewing-gums sur tes camarades? Non, c'est faux, non, Jordan ne rigole pas en forêt. Non. Tu fais des sarbacanes, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu m'as ôté les mots de la bouche. Non, ils font pire que ça, les deux crapules. Je raquette tous les goûts à tout le monde, c'est vrai. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui s'intéresse à notre discussion. C'est. Ouais. Il y a beaucoup de curieux, vous savez, en ville. Peut-être même un peu trop. Ça, c'est vrai, ça. Il y en a qui ont la langue bien pendue. Eh, bande de connards, si vous voulez venir nous voir, j'ai compris, bande de connards. À couper quelques armes. Après, on rentre à pied, je te rappelle. Non, ouais, on va vous ramener. Enfin, il veut vous ramener. Il vous emmène, il vous ramène. C'est comme ça que ça se passe. Ok, bah merci. À domicile, bien sûr. Très bien. Bon, les pequeños, travaillez bien à l'école. Donc, il est sous bonheur à leur donner du travail et le ferai demain. Et, señor, passe une buenas noches. Bah, très bonne soirée à vous, messieurs. Buenas tardes. 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 Oui, ça marche, c'est pas gagné. Tu peux lui donner une batte, il préfère les battes que les bonnes notes, tu crois. Merci, c'est trop gentil, ouais, je partage avec mon frère, merci. Allez, petit, montez. Si, tu fais 50-50 avec ton hermano, hein. Oui, ça marche. Merci, monsieur. Pourquoi c'est celui qui a les moins bonnes notes qui croit qu'il reçoit le plus de platin? Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui tient là-dessus. La plus la rue. Mais il est pas mauvais en business non plus, Jordan. Il cache son petit jeu, mais il n'est pas mauvais du tout. Bien sûr. Il vous ramène directement chez vous, ce haut. C'est juste là, à droite. Ici, il peut rentrer à droite. Bah oui, il n'y a pas de problème.
mais tout géré, on a vraiment rien à voir avec cette histoire. Hein. Ouais, j'ai bien compris que vous avez rien à cette histoire. Ils ont l'air d'être vachement bizarres. Ouais, c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont arrivés, qu'on est arrivés, c'est vrai. Ils on sont... a vraiment rien à voir. Non, non, mais je vous crois quand vous me dites que vous avez rien à voir. Mais ils ont l'air d'être, ouais. Ils ont l'air d'être d'une planète quand même, ces gens-là. La dame qui fait peur, on doit lui apporter 5 paires de chaussures. Ouais, on doit lui rapporter 5 paires pour demain. Elle fait pas peur, la dame. Si, elle t'a fait. Bon, elle a une démarche peur. Un peu spéciale, mais elle est charmante. En plus, comment elle fait pas peur. Elle a même pas de chaussures. Bah alors, c'est pas un problème, ça. Mais si, ça fait mal. Si, j'ai un problème, moi, c'est un problème. Si t'y vas, je renverse tes mes Legos et marche dessus sans tes chaussures. Ah non, ah non, 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 non. Là, par contre, marcher sur les Legos, je suis d'accord avec toi, ça fait super mal. Ça, ça fait très mal, je suis d'accord. Ça non. Fait pas très mal, ça fait hyper mal. Ouais, ça fait hyper mal. Surtout la nuit quand tu te réveilles pour aller pisser, ça fait très très mal. Ouais. Je connais, t'inquiète. Tiens, Jordan, j'ai posé l'argent par terre. Putain, vous avez fait combien? 500 balles. 500 dollars. Bon, ok, je suis un peu... Je vais faire 2-3 conneries. Si vous avez un souci, encore une fois, vous m'appelez. Non, ça marche, t'inquiète pas. Ça devrait aller. Non, ça devrait aller, ouais. Et essayez de laisser traîner vos oreilles pour savoir qui c'est qui aurait potentiellement levé quelqu'un au... On dirait. Ouais, ouais, bingo. T'inquiète, on a compris. Vous arrivez à le savoir, vous savez quoi? Je vous dis quelque chose. T'entends Zizi? Vous faites... Non, non, mais je vous dis. Vous arrivez à savoir qui c'est de manière discrète, sans aucun problème, d'accord? Vous avez vu Disneyland? Oui, bah, on y va bientôt, j'ai dit. Ouais, c'est ouais. Chanté, hein. On fait tous les... On fait tout. On fait... C'était pas déjà ce qui était prévu pour moi. Alors... Ce qui était prévu, ouais. Ah non, à la base, je vous amenais qu'à Disneyland. C'était d'y aller. Non, je t'explique. À la base, il y avait que Disneyland. Mais t'as vu à côté de Disneyland, t'as un autre petit parc d'attractions de Disneyland. Oui. Eh ben, je vous prends les deux parcs. Donc, on va faire tous les manèges et ensuite, on va faire tout le studio. Non, mais voilà, si vous y arrivez à le savoir, c'est cool. Sinon, j'essaierai de le savoir moi-même. Voilà. Vu que vous êtes des petits passe-partout là, vous vous faufilez de partout et que vous parlez avec tout le monde. Tu nous as pris pour les petites Fort Boyard? Non. Ouais, c'est ça, vous êtes des passe-partout, ouais. Tout à fait, ouais. Non, mais non, vous êtes des petits filous. Bientôt tu vas nous lancer, c'est ça? Ben non, je vais pas te lancer. Parce que ça se fait, hein. Moi j'ai déjà vu ça sur YouTube. De quoi, des lancers de nains? Oui. Ça va loin, un nain? Ça dépend de quoi? Ça dépend du poids. Ça dépend du coup, il vaut mieux être léger pour aller loin et perforer ou vaut mieux être lourd? Il vaut mieux avoir des grands bras. J'en peux plus. Vous imaginez, à cause de vous, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, déjà, je suis brûlé à la base, donc j'en ai perdu des putains de cheveux. Mais regardez, à cause de vous, je commence à avoir des trous qui se forment sur le côté. Regardez ça. Waouh, tu touches rien, tu es toujours toi. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as plein de touchures sur le crâne. Tu peux répéter en articulant? T'as plein de touchures. De touchures? Ouais. C'est quoi ça veut dire? C'est... Tu dis trous de tondeuse? Ah non, ça c'est pas les trous de tondeuse, regarde bien, c'est bien brûlé. Ah ouais, merde, putain, merde. Ouais, tu vois. Tonton, tu viendras jouer un jour avec nous? Jouer à quoi? Mais sans ta casquette? Non, j'aime pas trop, tu vois, j'aime pas montrer mon crâne brûlé en général. Non, mais s'il te plaît. Toi, t'as une connerie. Vas-y, annonce ta connerie avant. Vas-y, c'est parce que je t'en... T'inquiète, j'ai compris déjà d'entrée, là, il y a un problème. Vas-y, dis ta connerie. Pour faire quoi? Non, mais c'est parce qu'on est des avions, mais on est pas de pilote. Et vous démerdez. Je vous déteste. Vraiment, hein. Je vous aime bien, hein. Mais là, c'est vraiment méchant. Vous vous foutez de ma gueule alors que je suis cramé sur la tête. Ok, d'accord. Non, mais je peux... Non mais est-ce que j'en parle moi de ta coupe qui est démodée là de Jackson 5 là des années 60? Hein? Est-ce que moi je t'en parle moi? Ouais. Hein? Moi j'ai pas de trou. Allez vous faire votre. J'ai pas une piste d'atterrissage non plus. Ouais, c'est le moment.
normalement. Très vite. Allez. Tu crois faire un petit tour au quartier en face chez quelqu'un? Oui. Et si sur nous on monte sur les toits, on leur passe sa langue. Eh les grands, vous êtes des connards, vous êtes tous des connards. Et ta gueule, toi t'es un connard aussi, toi. Et les grands sur le terrain de basket, vous êtes tous des connards. C'est qui descend ou? Aïe, aïe, vas-y, touche à mon frère. Descends, toi, descends ta gueule. Descends ta gueule, connard. C'est parce que ça gueule, yo. Descends, je t'ai dit, c'est connard. Descends, descends, t'es fauché ta gueule, descends, des connards. Descends. Oh, oh, Jordan. Je crois qu'on est dans les merdes. Il va falloir courir bien chez moi. On fait tour, ils nous attrapent pas. On fait tour. Il faut descendre direct les escaliers. Aïe 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 aïe. 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 Yo. Aïe. Aïe, 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 t'es obligé de me frapper, pauvre con, connard de merde, de pauvre type, des fils de pute. T'es frappé qui? T'es dans le quartier à qui, moi? Oh merde, ce qu'on se n'est niqué, yo. Viens, l'autre, connard. Oh, mais c'est frappe son frère, yo. Viens, l'autre, tu vas te voir taper mon frère, connard. Vas-y, frappe-le! Aïe! Aïe! Alors, c'est qui fait le malin, pauvre con? Puis-toi, Jordan! C'est bon, yo! Eh, tu vois? Fais-moi le malin la prochaine fois! Ah, bah, c'est bon, je crois qu'il n'y a plus de jambes! Alors, tu vois? C'est facile contre un homme à terre, et du coup, maintenant, c'est qui fait moi le petit malinois? Venez me voir avec moi. Venez, on va se mettre là, on va parler tous les deux. Dites-moi pourquoi vous l'avez tapé, vas-y, moi je... Mais viens voir, viens. Nous, on était simplement... Dégage-toi. Nous, on était simplement venu faire une petite blague sur le toit, ouais. Et lui, il est venu directement nous frapper avec son bâton sur le toit. Warren et Jordan, je vous apprends un truc de pauvre, vous prenez pas, en fait. On vient de la quartier, donc... Mais ben, c'est un gros connard. On lui a donné une leçon, nous. Warren, tu sais comment je suis. Je vais bien le tabasser. Mais c'est vrai. Va comprendre. Non, d'accord. Mais nous, tu connais, on vient foutre la merde. Je crois qu'on lui a déjà donné une bonne leçon. Ouais, ça c'est l'habitude. Ça, moi je vous dis rien. Moi, le mec, il est arrivé à taper mon frère, j'ai pas cherché, je lui ai défourché sa gueule. Normal. Moi, je t'ai déjà dit, je me mêle pas de vos histoires, vous êtes des petits. Je suis un grand. Mais c'est vrai, toi, tu es gentil, t'es un bon. Vous faites ce que vous voulez, et voilà, tu vois. Mais c'est vrai, il va se prendre des coups pendant la gueule, je vais mettre des patates et il va comprendre la force. Mais c'est vrai. Allez, force à vous, vous pouvez aller rentrer chez vous, tiens. Ouais, salut, ouais. Et va t'acheter des bonbons avec ce que je t'ai donné. Hein. Ouais, ça marche, j'ai acheté. Moi, j'ai partagé un mec. T'as donné combien? Y'a pas de soucis, attends, je regarde. J'ai plus compté. Moi, j'ai plus la survoie. Mais repas, c'est demain. Sinon, je vous donne un. Vous avez faim? Non, c'est bon, moi, j'ai super mangé. C'est bon. Ok, bah, repas, c'est demain, je vous redonnerai un petit billet. Ça marche. Ça marche, à demain. Force à demain. Et bon retour. Ouais, ça marche. On l'a bien pété la gueule. Pété sa gueule. Comme vous pouvez le constater, en si peu de temps, il peut leur arriver un nombre incalculable d'histoires. Et j'imagine que vous pensez que cela allait se terminer calmement cette soirée. Détrompez-vous. Car à la sortie de ce bloc, il va encore se passer quelque chose pour eux. Et ça, je vous raconte la prochaine fois. Herman Lapidus, protecteur de ses enfants.